un accident tragique. Selon les informations de Nice Matin, Rémi Mestrallet, footballeur formé à l'OGC Nice récemment transféré à l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël, est décédé dans la nuit de samedi 11 à dimanche 12 septembre, dans un accident de voiture. Il aurait perdu le contrôle de son véhicule à Conte, dans les Alpes-Maritimes. Il aurait été retrouvé mort par les secours. Il avait 23 ans. Le club de football de la Côte d'Azur lui a rendu hommage sur Twitter. « Nous avons l'infinie tristesse d'apprendre la disparition de Rémi Mestrallet, 23 ans, lors d'un accident de la route, avant de partir cet été à l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël. » Le milieu défensif avait été pensionnaire du centre de formation, a-t-on pu lire sur le réseau social du club niçois avec une photo en noir et blanc du joueur. Nice a remporté son match de Ligue 1 contre Nantes, 2 à 0, dimanche 12 septembre, cette victoire lui est dédiée. Guillaume. Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Rémi. A-t-on également pu lire sur le compte Facebook de l'Étoile Fréjus Saint-Raphaël qui avait recruté Rémi Mestrallet. Les internautes ont également salué la mémoire du milieu de terrain défensif. Énorme pensée à sa famille. Pour votre club, vos éducateurs et vos jeunes, sincères condoléances à la famille. C'est terrible de partir aussi jeune, je suis de tout cœur avec la famille. Repose en paix Rémi, quelle tristesse, partir si jeune c'est tragique, grosse pensée à ses proches. Quelle tristesse. Pensée pour lui et sa famille, qu'il repose en paix, a-t-on pu lire sur Twitter. L'Étoile Football Club a l'immense tristesse de vous annoncer la disparition de son joueur Rémi Mestrallet, décédé ce